Salut, c'est Game Night et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment apprivoiser un cochon dans Minecraft. Alors oui, je n'ai pas mon skin parce que j'ai un bug de connexion chez moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de connexion, donc je ne peux pas mettre de skin, donc j'ai le skin basique de Minecraft. Déjà, que mange un cochon? Un cochon ça mange des carottes, des patates et des betteraves. Alors il suffit de faire clic droit avec un pour lui donner des carottes, des patates ou des betteraves. Alors, donc aujourd'hui je vais aussi vous apprendre à monter sur un cochon avec une selle. Alors déjà, les selles, elles se trouvent où? Vous pouvez trouver des selles dans des coffres, par exemple dans des temples ou du désert ou des trucs comme ça. Ou aussi même en pêchant dans l'eau. Vous pouvez trouver des selles, c'est vraiment rare, mais vous pouvez. Une fois que j'ai ma selle, il suffit de faire clic droit avec ma selle en main sur le cochon pour mettre ma selle sur le cochon. Et après, je fais clic droit de nouveau dessus pour monter sur le cochon. Alors, t'es où toi? Voilà. Alors, je suis maintenant sur le cochon. Voilà. Et je ne peux pas avancer. Mais comment je fais pour avancer? Eh bien, c'est très simple, je vais vous le montrer. Pour avancer, il faut une canne à pêche avec une carotte en main. Sur le cochon, parce que sinon il n'avance pas. Mais en fait, comment on a une canne à pêche avec une carotte? Alors il suffit d'aller dans la table de craft et de mettre une canne à pêche comme ça et une carotte pour avoir une canne à pêche avec une carotte, comme ça, voilà. Donc voilà, une carotte on a stick, carotte sur un bâton littéralement. Et du coup il sera attiré par ça parce qu'il y a une carotte dessus. Et si vous montez dessus, il avancera, voilà. Mais comment on a une canne à pêche? Alors, pour avoir une canne à pêche, il vous faut 3 bâtons et 2 ficelles, comme ça, dans la table de craft. Comment avoir des bâtons déjà? Pour avoir des bâtons, il suffit d'aller dans la table de craft, de prendre du bois, de mettre comme ça, vous avez quelques planches, et après vous faites des bâtons avec, voilà. Après, il vous faut des ficelles. Les ficelles, comme on a des ficelles en tuant des araignées. Donc moi, je n'ai fait apparaître une parce que je suis un créatif. Mais vous les trouvez la nuit en survie. Ils apparaissent la nuit avec d'autres monstres, donc faites attention. Et quand je la tue, du coup, j'ai des ficelles. Voilà, alors j'en ai pas tout le temps. Donc là, il faut que j'en tue encore une autre. Voilà, là elle m'a donné 2 ficelles. Et avec ces ficelles, je vais pouvoir me faire une canne à pêche avec une carotte. Comme ça. Et puis je vais pouvoir de nouveau me faire une carotte avec une canne à pêche. Une canne à pêche avec une carotte, pardon. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à être curieux et à faire un tour sur ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GameLight67, à la prochaine.